Décidément, les nuages s'accumulent sur les établissements bancaires dans le monde. Ce sont désormais les banques nord-américaines qui sont rattrapées par la crise de la dette en Europe. Selon l'agence de notation Fitch, si la crise de la dette n'est pas résolue à temps, la perspective de crédit des banques américaines risque de se dégrader. L'exposition des banques américaines au marché européen de la dette reste gérable, mais en cas de nouvelle contagion, un risque sérieux se poserait, affirme Fitch. À la fin du deuxième trimestre, les principales banques américaines étaient exposées à la France à hauteur de 188 milliards de dollars. L'agence Fitch, qui affirme que la perspective du secteur bancaire américain est stable, constate avec satisfaction que les banques américaines ont sensiblement réduit leur exposition directe aux pays européens en difficulté au long de l'année 2011. Mais attention à une nouvelle contagion.